Hello, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est sur le thème j'ai lu, je vais vous parler de ma dernière lecture, donc on va plus attendre, c'est parti, on y va. Ma dernière lecture, enfin le dernier livre que j'ai lu est celui-ci. C'est Le sang noir de chez Plume du Web et c'est une histoire géniale. Je vais vous en dire un petit peu plus. Donc sans forcément vous spoiler puisque bon, ce n'est pas le but premier. Donc ce livre, moi je l'ai eu dans mes cadeaux de Noël et du coup j'avais pris une trilogie. Donc c'est trois livres sur le thème fantastique de chez Plume du Web. Mais là n'est pas la question, donc de quoi parle ce livre? Donc c'est un livre qui mène tout au long en fait de l'histoire, c'est une quête. Avant de rentrer dans un peu plus de détails de cette quête, donc on a un personnage féminin, donc c'est l'Ascent Noir on va dire. Donc c'est une jeune fille qui est entourée de magie, qui est entourée de mondes où elle sait qu'il y a des sorcières et tout ça. Mais malheureusement, elle, de son côté, descend d'une lignée où ben, elle n'a pas de pouvoir. Et donc, du coup, elle mène plutôt, je dirais, une vie assez banale. Et ben, tout au long de l'histoire, en fait, on la voit mener cette vie. Et puis, tout va basculer pour elle, en fait, un soir, où tout simplement, dans une ruelle assez sombre, elle tombe sur un vampire qui est assoiffé de sang et qui, forcément, la mord. Et c'est là qu'en fait c'est la révélation, puisque du coup le vampire va lui révéler que ben, son sang est pas du tout bon, qu'il est mauvais et que en fait elle fait c'est une sorcière. Donc bon, elle dit mais c'est pas possible. Enfin, on voit tout au long de l'histoire que du coup ben, elle doute de ça parce que bon, elle a aucun pouvoir et tout ça. Et du coup elle tombe sur Silas. Donc c'est on va dire, un gardien. Il est un peu rebelle, il est très solitaire, on va dire. Il a deux acolytes, donc une jeune fille qui métamorphe, puisque du coup elle se transforme en panthère. Et du coup, il a ce fameux vampire qui le suit un peu partout. Et en fait, c'est un gardien. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails pour garder quand même le mystère de ce fameux livre. Et donc du coup, ces deux-là sont forcément liés. Il y a une prophétie qui a été écrite et Silas, lui, tout ce qui l'obsède en fait, c'est de se venger puisque du coup, la reine du royaume, là où le surnaturel, ben, on va dire, règne, a exécuté sa famille et lui, mais il est obnubilé par ça. Il n'a qu'un seul but en fait, c'est de se venger et de venger sa famille qui est décédée puisque du coup, c'est le seul rescapé. Et puis bon. Ces deux-là, ben, tombent l'un sur l'autre, on va dire, par hasard, oui et non. Je ne vais pas développer cette partie. Je vous laisserai découvrir, du coup, cette partie dans le roman. Et tout au long de l'histoire, on va suivre, du coup, les fameuses aventures, ben, de ces deux-là. Donc, il y a une très forte alchimie entre les deux personnages. Ils sont liés par leur présent, par leur futur, par plein de petites choses et c'est vraiment très très électrique entre eux, que ce soit au sens propre, au sens figuré, c'est vraiment, on a l'impression que c'est deux aimants qui s'emboîtent entre eux et ce livre est vraiment génial. Donc si vous aimez tout ce qui est livre, sorcière, gardien, prophétie, vampire, foncez le découvrir parce qu'il est vraiment vraiment génial. Tout au long de l'histoire du coup, on découvre les choses que la sang noire ben, ne savait pas sur son passé, puisque du coup ça lui a été caché. Donc c'est rempli de rebondissements, rempli de secrets de famille, rempli de mystères tout simplement. Et on a la chance d'évoluer en fait entre un monde surnaturel et un monde de nos jours. C'est-à-dire que les deux sont mêlés et on voyage d'un monde à l'autre. C'est vraiment vraiment génial. Je vous le conseille. La plume de l'auteur est vraiment très fluide, c'est très addictif, c'est super. Je ne peux que vous le conseiller. Pour ce qui est encore des personnages, sans vous trop trop vous spoiler, ben, l'histoire.
Donc forcément, comme je vous ai dit, ces deux-là sont liés. Le livre, en fait, a été... L'auteur, en fait, l'a tellement bien, on va dire, ficelé que toutes les parties, en fait, elles s'emboîtent. C'est comme un gros Rubik's Cube. Et au fur et à mesure qu'on avance, donc la prophétie se met en marche et puis du coup on découvre par-ci par-là des petits détails qui font qu'on se disait mais non, c'est pas possible. Enfin, on commence à douter de ce personnage-là et puis il y a un revirement de situation complet et on repart dans l'engrenage de tout ça. C'est vraiment vraiment génial, c'est super bien écrit et je ne peux que vous le conseiller. Donc forcément, vous savez que moi je suis une grande grande passionnée de romance. Donc, il y a de la romance dans ce livre et c'est vraiment génial. Donc, je ne peux que vous le conseiller. C'est une petite pépite. Et puis, faut dire ce qui est, les couvertures du Plume du Web, elles sont tout simplement canon. On ne peut pas dire le contraire. Enfin, moi, j'ai quelques livres de chez eux et les livres sont super. Donc voilà, si vous voulez découvrir du coup la magie de cette jeune fille qui a 21 ans et qui pensait être banale et qui ne l'est pas du tout, et de ce fameux gardien qui n'est pas son gardien mais qui devrait l'être, foncez découvrir ça, je pense que ça risque de vous plaire. Voilà, j'espère que ma petite vidéo sur le thème j'ai lu vous a plu. Moi je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, je vous fais des gros bisous. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce du coup, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir mes autres vidéos. À bientôt!